Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit home décor. Donc j'ai choisi de scraper une photo de mes grands-parents, une photo qui a presque 60 ans, et je voulais l'offrir à ma grand-mère pour Noël. Donc pour ça j'ai choisi de la mettre sous cloche. La petite cloche vient de chez Action. Je me rappelle absolument plus du prix, hein, mais c'est vraiment dérisoire. Donc du coup j'ai choisi d'utiliser des petits embellissements d'une feuille à découper de la collection que je ne vous dise pas de bêtises, Winter Love Story de Fabrica Decoro. Vous pourrez voir aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser pas mal de produits de chez Fabrica Decoro que j'ai acheté dans la boutique de Marie F Déco France. Voilà que je vous présenterai du coup au fur et à mesure. Cette collection-là, c'est pas forcément mon style, on va dire. Plus le temps passe, plus je me dis que je suis pas très chavie. Mais en revanche, c'est un style qui, je pense, va beaucoup convenir, va beaucoup plaire en tout cas à ma grand-mère. Donc là, je vous ai mis un petit condensé de mon activité de découpe. Je me suis dit comme ça vous pouvez voir les ciseaux que j'utilise. Donc ceux-là c'est des We Are Memory Keepers. Et puis vraiment pour les tout petits détails j'ai une petite un petit ciseau de précision de chez Artemio. Donc là, je vais choisir de peindre le support de mon petit globe qui est en espèce de faux liège. Donc là, avant ça, je vous montre un peu les produits que j'avais sortis. Je ne me sers pas de tout, hein. Clairement, les chabis velours, je ne m'en sers pas. Par contre, je vais me servir de la peinture de la métallique. La couleur, c'est Maya's Gold. Et je vais me servir aussi des petites paillettes du glitter. Voilà, le glitter vintage gold, c'est le temps que je retrouve tout. Donc voilà, je me contente de peindre le fond. C'est pas forcément nécessaire parce qu'après vous verrez que je rajoute de la neige, mais c'est plus au cas où ça se voie. Je voulais que tout soit raccord, tout soit brillant, tout soit doré et avoir un petit côté féerique. Donc là, je vais attaquer ma compo. Donc dans la feuille de découpe, il y a une grande couronne en coton que je trouve vraiment magnifique. Donc du coup, j'ai choisi d'en faire en partie mon élément central. Celui-là est la petite biche blanche. Enfin, je ne sais pas si c'est une biche ou peut-être plutôt un chevreuil qui est juste superbe. Donc j'ai tout découpé, je vous ai passé pardon, la phase de découpe de la couronne alors que peut-être ça aurait été la plus intéressante. Mais en tout cas j'ai fait l'intérieur d'abord au cutter de précision et ensuite je suis venue découper l'extérieur. Simplement pour me laisser une grande surface de papier sur l'extérieur et que je ne risque pas de le déchirer si je force un peu avec mon cutter. Donc là, l'autre jour, dans un commentaire, on me demandait de montrer un peu ma phase de déco. Donc du coup, là, je vous montre comment je procède. Donc ma petite biche, je ne la colle pas tout de suite. Je choisis de coller ma couronne parce que là, j'ai aucun doute sur la façon dont elle va se placer. Et ma petite biche, en fait, j'utilise un trombone pour être à peu près sûre de la placer correctement parce que la contrainte, bah, c'est la cloche. Être sûre que tout rentre à l'intérieur. D'ailleurs, une fois que j'ai eu tout collé, ça s'est un peu rigidifié avec la colle et du coup, j'avais beaucoup plus de mal à la faire entrer dans le globe. Donc là, j'utilise de la mousse 3D pour mettre un petit peu en relief ma biche. J'aurais pu peut-être doubler pour lui donner encore plus de volume. Mais bon, ça me convient au final très bien. Je voulais que les éléments soient solidaires, mais donner quand même un petit peu de relief à cette composition. Donc
Donc là, je vous montre un peu comment je procède à la déco. Je place les éléments que je choisis principalement, on va dire. Et puis après, je tâtonne hein, pour meubler autour, pour faire une accumulation de formes, de couleurs. Après, je ne suis pas forcément très très douée pour jouer avec les matières. C'est vrai que j'aurais pu ajouter de la dentelle. Mais c'est pas quelque chose que je fais habituellement, donc du coup j'ai un petit peu de mal et je préfère me contenter de toutes les jolies choses en papier qu'on peut avoir parce que c'est de loin ma matière préférée. Comme je viens de le faire à l'instant, si vous choisissez de suivre ce tuto, je vous conseille vraiment d'avoir un élément principal autour duquel scraper et d'à chaque fois bien penser à le glisser dans la cloche pour être sûr de ne pas être trop large ou, et que ça ne rentre plus, que ça ne rentre plus à l'intérieur. Donc là maintenant je vais habiller la partie basse de ma photo. J'ai fait le choix de vraiment la recouvrir quasi entièrement, de ne laisser que le portrait finalement de mes grands-parents. D'une part parce que la cloche n'est pas très haute, hein, donc du coup j'étais très heureuse de retrouver cette photo avec un petit format qui m'a vraiment inspirée tout de suite. Donc là, comme de la même façon que je me suis occupée du haut, je mets un élément principal et ensuite je viens rajouter des petites choses dessus, dessous. Donc là, l'élément principal, c'est ma branche, la branche de coton et de petites feuilles, parce que je veux absolument pas cacher ma biche. Je veux lui laisser l'avant du corps complètement libre. Donc là, j'ai évidé une petite lanterne. Vous allez voir, j'ai pensé à, pour pouvoir donner un petit peu de volume à ma composition, en fait, de mettre plusieurs plans, un peu comme on fait un pop-up, de mettre plusieurs plans sous ma cloche. Donc là, je me rends compte que je peux avoir vachement de place si je la décale un petit peu vers le fond. Donc du coup, je finis par opter, je finis le scrap autour de ma photo et je vais finir par opter pour l'option plusieurs plans, on va dire, déco sur plusieurs plans. Donc pour ça, on peut la voir briller sur la photo. J'ai utilisé une petite bandelette de rhodoïde. Donc j'ai coupé des bandes d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi, que je vais venir ensuite plier. Je fais de petites pattes à mon montage photo. Donc là, après, je choisirai avec la peinture métallique Maya de venir colorer en fait l'arrière de mes découpes. Pour donner un peu d'harmonie, j'aurais peut-être dû le faire avant de venir coller ces fameuses petites pattes en rhodoïde. Pour les coller, j'utilise la glue de chez F Déco. Quand vous me voyez utiliser ma toute petite pipette là, en fait, je transverse simplement un petit peu de cette glue dans mon petit pot avec un petit embout de précision comme ici. Donc là, pareil, je viens coller un petit morceau de rhodoïde derrière ma lanterne évidée. Et ensuite, je vais lui choisir une petite compagne à côté de la, enfin,
pour compléter un peu. J'ai pas envie qu'elle soit toute seule au premier plan. Donc du coup, je vais lui mettre un petit poinsettia blanc à côté. Donc là, je vais venir coller du coup la petite patte de rhodoïde, qui est le premier élément, hein, sur mon petit support en liège qui est déjà peint. Et puis comme je vous le disais, voilà, par souci d'esthétisme, au cas où on regarde l'arrière du globe, donc j'ai choisi de peindre tout ce qui dépasse de mes petites découpes en doré. Et ensuite, je vais venir du coup sur l'arrière de la photo pour renforcer et solidariser en quelque sorte tous mes petits éléments que j'ai pu coller autour. Je vais venir apposer un morceau de cardstock, pardon. Enfin, c'est pas du cardstock, c'est un papier mahé, je sais plus comment il s'appelle, beige poivré, je crois, un truc dans le genre. Mais ça, après, la couleur, peu importe, hein, ça va vraiment dépendre de la collection que vous choisissez. Ça me sert uniquement de cache-misère. Et sur l'avant de ma composition, je viens rajouter des toutes petites touches de doré par-ci par-là. Ensuite, je vous montrerai, je fais quelques taches et j'apposerai un peu de glitter. Donc là, je vais découper grosso modo mon petit cache-misère. Et comme vous pouvez le voir à ma gauche, les petites pattes de rhodoïde, ça fonctionne bien. Ma photo tient debout. Mon premier petit décor aussi. Donc par contre, je lui ai fait un petit renfort. La composition sur laquelle il y a la photo, j'avais mis seulement deux pattes pour fixer, et en fait je suis venue coller un morceau de rhodoïde à la perpendiculaire simplement pour avoir une plus grande surface de collage sur l'arrière, en fait, parce que j'avais peur que ça tienne pas dans le temps, surtout parce que c'est toujours un petit peu compliqué de coller du rhodoïde. C'est pour ça que je le fais à la colle blanche. Donc là, ensuite, je m'attaque aux petites taches. J'ai pris un petit peu de peinture Maya que je viens diluer dans l'eau. Donc je la dilue et puis ensuite je vais venir faire mes petites taches. Donc là, on passe à la partie glitter. Je fais d'abord un petit essai du coup avec ma glue que je pose au pinceau sur un petit morceau. J'essaye le glitter pour être sûr que tout tienne bien, que ça fasse pas trop gros, en fait. Surtout, c'est ça dont j'ai peur. J'ai pas envie que mon trait au pinceau soit trop large et que je me retrouve avec des paillettes partout. Alors là, je suis désolée, comme d'habitude, mon cadrage est désastreux. Décidément, plus j'essaye, moins ça va. Donc du coup, là, j'ai choisi de mettre du glitter sur la petite flamme de la bougie, en essayant de ne pas faire trop un gros paquet difforme. Je voulais juste souligner le petit côté flamme de la lanterne. Et ensuite, je vais venir mettre un petit peu de glitter sur le cou et le dos de ma biche, sur une branche de ma petite étoile. J'en mets aussi sur le rebord d'une pomme de pin. Enfin, vraiment, le but étant d'habiller avec une toute petite touche paillette ma composition. Thank you.
Là, je vais prendre un autre pinceau, un petit pinceau tout doux, en fait, pour enlever les paillettes, parce qu'avec l'électricité statique, en fait, elle se collait à ma photo. Donc, je ne sais pas trop comment éviter ce genre de choses. Je sais qu'il y a des petits carrés, des petits tampons qui existent pour enlever l'électricité statique avant d'embosser. Mais là, j'avais peur, en fait, de mettre un côté talqué à ma composition, donc à la photo surtout, je ne l'ai pas faite. Parce que je rappelle, la photo a un certain nombre d'années, elle est un petit peu abîmée, un petit peu piquée par endroits. J'avais vraiment très peur de l'abîmer davantage. Donc là, je colle mes petites pattes de collage sur mon support en liège. Donc avec toujours pareil, hein, ma glue. Donc là, comme j'ai ça s'est échappé, j'en avais mis un petit peu trop. Du coup, j'ai épongé avec un petit essuie-tout. Et là, je coupe en fait les pattes de collage, je les avais laissées entières et en fait, je viens découper le surplus. Ensuite, j'ai remis ma cloche histoire que ça appuie bien dessus le temps que ça sèche. Et là, je vais choisir en fait d'habiller l'extérieur en fait de mon petit dôme. Donc, j'ai choisi une petite phrase de la collection Jardin d'hiver des ateliers de Karine. C'est une petite phrase qui est dans les die cuts où il est écrit un soupçon de poésie et de magie. Donc, c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir de cette petite composition. Donc, là, pour habiller ma cloche, j'ai choisi d'utiliser un ruban velours. Il est vert tendre, presque eucalyptus, je dirais, que j'ai acheté chez Action. Donc 1 € à peine, hein, franchement, quasiment tous mes rubans, je les achète chez Action ou chez Noz. Et ensuite, je viens fixer ma petite phrase, mon petit embellissement avec des œillets dorés, pardon. Donc là, j'utilise la colle universelle pour coller mon petit ruban sur mon dôme en plastique. Franchement, c'est un ruban qui est très bien pour le prix. Je crois qu'il m'a coûté 1 € à peine. Il est relativement épais et lourd. Et en fait, il se maintient très bien. Il prend très bien forme. Je pense que c'était un bon achat. J'avais pas prévu de mettre ça à cet endroit-là. Je l'avais acheté et je suis très heureuse qu'il me serve pour ça. Là, vous voyez, la finition, ça fait super. Je pense que c'est mieux qu'un ruban en satin, par exemple. Ensuite, c'est la dernière étape de ce tuto. Je mets un petit peu de neige artificielle sur ma composition. Alors, c'est pas super super évident parce que du coup, je suis sur un format bouchon, hein, en liège clairement. Donc, du coup, j'essaye de faire des petits tas de neige, la mettre le plus en hauteur possible pour qu'une fois la cloche remise et la neige un peu étalée, qu'il y en ait partout. Donc là, je vais gaffer avec ma colle. Faire un gros trou. Donc du coup, je rajoute un petit peu de neige pour que ça ne se voie pas. Puis de toute façon, je suis pas mécontente d'en avoir rajouté parce que je pense qu'il y en aurait une cuillère de moins, il n'y en aurait pas eu assez. Donc j'ai mis la tête en bas à ma colle pour pouvoir déposer tout de suite un petit filet sur le liège. C'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre un ruban. À la base de la cloche, ça avait vraiment pour but de cacher cette petite ligne de colle. Parce que avec le bouchon en liège, alors ça c'est les dômes qu'ils avaient fait l'année dernière chez Action, et honnêtement ça ne tenait absolument pas fermé en fait. Donc voilà, tout est maintenant fini. Enfin, je positionne bien le dôme parce que ça surfe toujours un peu avec la colle. Puis j'ai surtout très peur de que le couvercle s'en aille et que ma neige échappe partout. Donc là, je secoue un peu pour distribuer la neige et puis c'est fini. Il est temps pour moi de vous laisser avec ces quelques photos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu, et on se retrouve très vite.